Dieu la VOD, c'est parti le gaming, voilà. C'est parti, on va y aller. Mais oui, sur les modes jam, on voit bien que c'est fluide. Mais sur les modes coucou, si tu mets la souris dessus et que tu regardes l'animation, tu vois tout de suite que c'est l'emmerde pas permis et que pas beaucoup des comme ça sur Twitch. On n'a pas beaucoup des comme ça. Il y a vraiment beaucoup de trucs qui bougent et il y a plein de rythmes différents dessus quand même. C'est pas juste 1, 2, 1, 2, tu vois, il se passe des trucs. Donc voilà, c'est rigolo. Bon, aujourd'hui pour la VOD, peut-être que j'essaierai de faire un petit passage ou deux au temple, histoire que les personnes qui ne connaissent pas Spelunky voient différents passages dans le jeu. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on arrive au 1-4, nous, en général, on part vers le volcan, mais on peut aller vers la jungle. Donc normalement, sur live, ils ont déjà vu la jungle. Sur les VOD YouTube, ils ont déjà vu la jungle. Donc en tout cas, c'est soit volcan, soit jungle. La différence, c'est que quand on va dans la jungle, on a le black market et possibilité de trouver plein de ressources plus un jetpack. Et si on va du côté volcan, on a les ailes qui nous permettent de faire un double jump. Double jump qui est vraiment très très fort. Et si jamais, ensuite, au moment de All Mech, on descend encore plus bas que là où je descends d'habitude, il y a l'entrée vers le temple. Moi, je descends que d'un niveau au niveau de All Mech, donc l'espèce de grosse tête en or qui veut m'écraser là. Moi, je descends que d'un niveau, du coup, je vais à Tide Pool, c'est le niveau aquatique qui fait chier le monde avec les Jiangshi et tout ça. Ici, on peut avoir le Clone Gun. Mais si on descend encore un niveau en dessous avec All Mech, il y a le temple, et dans cette zone temple, on peut avoir accès à une cité particulière, Golden City ou je sais plus quoi, là où en gros il y a de l'or partout. Il y a l'hôtel de Kali assuré à 100%. Et on a notamment aussi accès à cet endroit-là à l'élixir au lieu du clone gun, l'élixir qui permet de faire en sorte de se protéger des statuts anormaux, à savoir du poison ou du curse qui te met à 1 PV. Voilà. Donc c'est pratique aussi. Quand tu fais des 7,99 de temps en temps pour les emmerdes, on se rappelle du chat là, il y a deux jours. Et du poison hier aussi, deux fois de suite. Donc c'est pratique. Expert en émotes. Ah mais moi, je suis pas expert en émotes, mais en tout cas, je me suis cassé le cul. Je me suis cassé le cul pour faire mes émotes. Voilà, ça c'est sûr. Mais parce que moi j'aime bien m'appliquer et que je suis un connard tryharder. Tu vois, les émotes qu'on a du coucou là, de Talia qui bouge les mains pour dire coucou, elle était pas assez petite pour être importable sur Twitch. C'est-à-dire que j'ai fait un truc, c'était trop compliqué, j'ai dû rescale de ouf, voire rebouger mes frames 50 millions de fois pour réussir à fit le truc. Et là, il manque encore des choses, tu vois, finalement, par rapport à comment elle était à la base. Mais c'est comme il dit Peter, c'est parce que moi, j'aime bien me faire chier. Mais je trouvais ça intéressant et je voulais que ça rentre le plus possible comme l'idée que j'avais en tête. Donc forcément, j'ai travaillé des trucs, il faut que ça rentre. On y va, faut que ça rentre. Donc voilà. Mais t'as raison de regarder après la concurrence et tout, ils font quoi? En Unormax. Il y a des émotes, je vais vite aussi. Hein. Mais pour les émotes animés, en général, c'est de prendre mon temps. Là, j'ai eu des idées d'émotes animés, donc il faudra que je refasse. On a peut-être que quelques-unes qui vont bouger, on aura des tests, des prototypes et tout ça. Quoi qu'il en soit, Spelunky, c'est parti. Les gens de la BOD, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà skip au cas où pour voir la première run, mais l'espace commentaire, s'il y en a qui ont des questions sur le jeu, allez-y. De temps en temps, on a des coms, mais c'est la commu. Wouh! Mama! Je pense qu'il y a vraiment des YouTube Bondi. Bah oui, genre Marek. On doit pas en avoir beaucoup des YouTube Bondi. Hein. C'est bon. C'est top 1 thème. Ah, tu vois? Et ça, c'est vraiment parce que je me casse le cul, quoi. Saltez! C'est vrai que j'ai tendance à bien me casser le cul pour les animations des émotes, mais bon... Et là encore, c'est pas terminé. Parce qu'il y a, en gros, il y a que deux émotes pour lesquelles j'ai vraiment bien bossé. Bossé tout court même. C'est celle qui jam et celle avec le coucou. Et j'ai prévu de rework les autres aussi. J'ai toujours pas fait là, parce que là, je suis en train d'un petit peu de me faire check le loading screen, mais c'est prévu. Les gants? Non.
Une V3 de ça? Ah, je sais pas. La sauce qui était très propre à MK en vrai. Mais je m'applique pour les émotes, puisque nous on n'a pas grand chose finalement. On est une petite chaîne sur Twitch. Donc il faut capitaliser sur ce qu'on a. Et là, une des seules choses que j'ai vraiment pour moi, hein, pour le coup, c'est bah, le fait que je sache dessiner, tu vois. Du coup, c'est mon truc à moi, on va dire. Donc, je profite. Je vous fais profiter aussi. Je suis content. De toute façon, de base, si tu dessines, en général, t'es un peu chiant. En ce qui concerne la charte graphique de ta chaîne, tu sais. C'est pas trop possible de se dire je dessine, mais je vais bâcler des trucs. Bah, super, il a dit. Bah, ouais, c'est comme ça, mec. On est chiant. C'est pas une mauvaise chose, hein. Y'a pas les clés et tout? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce niveau? Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Y'a rien, y'a un sac de 3 bombes, c'est de la merde. C'était nul. Vandal, un peu, j'avoue, c'est vrai. Ça, c'est un des trucs de Spelunky, hein. Piac, hein. C'était piac fort. Non, escape là. Ça c'est chiant, ça c'est chiant. Ici. Chiant. Ok. Ah oui, c'est vrai que t'as eu ton absol maintenant. Quel est le prochain objectif? Je sais pas. Ça va bien avant. Ah. Je voulais voir si ça passait. Bah maintenant, je saurais que ça ne passe pas. C'est important de faire des tests. Ah, par contre, ça passe si je fais comme ça. Oh, très intéressant. Allez. Ah, allez le dindon. Con comme un dindon, on l'a dit la dernière fois. Hop là, dead. Dead. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Où est la sortie, s'il vous plaît? Dead, dead. Elle est là la zone. Il y a Robert en train de porter je ne sais quelle connerie là. Alors la connerie soi-disant c'est Carapuce, mais bon. Oh oh. Ah oui, d'accord. Les problèmes. Les gros problèmes. Ah bah merde hein, au bout d'un moment. Bon bah on va dire que voilà.
peux pas descendre le gars là. Allez, viens ici. Bon, par contre, le marchand qu'on a tué, normalement, c'est l'aggro sur 4 maps, 5 maps. C'est l'emmerde, non, je crois. On va voir. Je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est la merde. On va voir, j'ai pas de Robert du coup, c'est dommage. Mais normalement sur cette map là, il y a, voilà, automatiquement un Robert qui traîne du coup. Là, ça. Ça. Sleeping, hein, faut dormir. Faut que je trouve où est enfermé le gars. Il est là, ok, nickel. Chiant. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Bien fait. Si innocent. 100% innocent dans ce qui vient de se passer. Lui s'est énervé, il a sauté, il s'est pris le boulette, du coup il est décédé. Life mon gars. 3 bleus, c'est les gens de chez moi. Oh, c'est les gens de chez moi. Team bleu mec, c'est nous. Petit coding. On est là, t'as vu? Ouais, je sais pas la proportion de joueurs Morticodin sur le jeu. Oh, mon Robert avec son TP, il est où? Il est décédé, non? Ne nous aurait-il pas abandonné celui-là? Ah, 40% pour les bleus. Ah oui, on est si nombreux que ça? Bon. À moi. Pardonnez quand là? Oh là là. Ah, en vrai, bon, vas-y, je peux en passer. Vas-y, je peux en passer. Que se passer de toutes ces merdes? Oh bordel de cul! C'est pas moi! C'est pas moi hein. Bon, j'ai quand même l'aggro mais bon. C'est pas moi hein. Je suis étonné que tout le monde ait pris la team bleue sur Pokémon Go quand même. J'ai hésité à lui tomber dessus, mais je me suis dit, mais non, ça fait chier, il va péter tout mon bloc et tout. Hey. Là, l'argent, là.
On cesse pas, voilà. Pas grave, hein, ça avance quand même. On prend l'argent, nous on prend l'argent. Niquez-vous, personne vous aime, voilà. Ah bon? Avec ça, il y a moyen de... Voilà. Voilà. Oh, bordel de cul ! Très bien. Deux tasses. Je n'ai plus l'aggro. Je suis pardonné. Alors. Oups. Ça dégage. Eh bien. Ça fait des sacrés trous. T'es là, hein? T'es là, mec! Il est là. Mais c'est abusé! Ok. Une corde. Nul. Est-ce qu'on part du principe que si on laisse Bulbizarre partir là, il va rester en vie? Bon, vas-y. On va dire que Bulbizarre va rester en vie. On trust Bulbi. Ah! C'est chaud quand même pour Bulbi, non? Y'a passé un mauvais moment, Bulbi. Oh. Bon, c'est pas grave. Casse-toi. Merci. La mort, il a dit. Bah, il était décédé, oui, tout à fait. Il était décédé, le pauvre Bulbi. Deux réflexes à 10k et un racoche en 11k. Ah oui, j'avoue que... On n'a pas les mêmes Super Team Rocket, hein. Bah t'es là toi. Ok, super. Tout. Est-ce que...
C'est une fausse bonne idée hein, d'aller chercher la colonne d'explosif là-bas. Pokémon de combat alors que tu as un tartare d'élite normalement. Ok. Bonjour Toto. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Ah ouais, exposition à 2K, j'avoue. C'est trop. Youthwing. Voilà. Tiens. Prends ta flèche. Hop. Hop, on laisse là. Donc là ce que je fais c'est que je récupère les robots et je les pose sur place parce que normalement un Robert, quand tu le laisses sur place, il ne bouge plus pendant, pendant une période assez fixe. Le problème, c'est que comme c'est des Roberts qui n'ont qu'une map d'ancienneté, on va dire, voire aucune, puisque c'est la map où je les ai trouvés, malheureusement, ils ne dorment pas longtemps. Mais quand on a des Roberts avec plusieurs maps d'ancienneté, c'est des bons Roberts. Ils dorment longtemps. Ils écoutent beaucoup mieux les instructions qu'on leur donne, à savoir reste ici avec mon objet ou dors. Ce sont les deux seules instructions qu'on peut donner finalement. Là, je ne peux pas partir. Yuka. Vous rencontrez Kali. Voilà, ça je peux l'enlever. Oh Robert a sacrifié encore. Toi tu tiens rien, dis donc. Bah allez, parti, poubelle. Si jamais on voit un moment qui serait susceptible de faire une bonne miniature pour YouTube, vous me dites hein. Vous verrez hein, comme ça. Enfin. T'as bientôt mon G, vas-y NP. Je vais mettre le chat sur l'écran. Bravo. Mais l'arc est là, non? Je me suis fait niquer! Là, il me faut impérativement un Robert en vie au moins lors de mon avancée. Donc viens, viens Robert, viens. Robert ne peut pas, ne peut pas sortir d'ici parce qu'il lui faut... Il saute pas deux blocs d'eau, Robert. Pas possible. Et du coup, on a un Robert en toute sécurité. On a qu'à sortir. Yo. Chani nul. Ah, mais c'est le plus intéressant. C'est qui?
Ok. Garde la surprise, ok. On n'a pas du tout ce run comme ça la dernière fois, hein, avec le jeté d'arc de mort. Pas du tout, du tout, du tout. Allez, 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 on spamme le bouton bourre. Là je bourre, hein, ça se voit pas, mais c'est la bourrance. Hop, tac, tac, hop. Prends l'argent. On se rappelle. Il y a Madame Tusk après. Tu sais pas, c'est pas ce que tu veux. Voilà. Madame Tusk pour récupérer des trucs. J'essaie de vous montrer quelque chose que je fais pas d'habitude. Si jamais j'ai l'occasion. Mais j'en ai l'occasion. Ce qui est cool, c'est que je fais cette partie-là du combat sans avoir les gants d'escalade. Et les gants d'escalade, souvent, c'est ce qui tue les gens qui utilisent la cape contre le mec. Puisque ton perso a tendance à s'accrocher un peu trop n'importe comment, n'importe où. Finalement tu t'accroches sur des petits recoins et oh, le mec tombe dessus et est décédé. Notamment cette partie là. Là si tu restes collé au mec, c'est mieux parce que du coup ça évite que le mec ait le temps de se déplacer, mais des fois tu te colles à lui et tu décèdes. Oh le mec. Et là, c'est en dessous. En dessous, il y a le temple. Bon, là, je vais pas y aller maintenant, mais en dessous, c'est le temple. Pourquoi je n'y vais pas? Parce qu'il me faut des gants d'escalade. Simplement. Et que mes gants d'escalade, c'est ici que je vais venir les chercher. Tiens, l'argent dans ta gueule! Toute amitié. Ok, ça c'est bon. Voilà, je vous ai dit c'est ici que je viens aller chercher. Bon après, là, le shop est random, j'ai vraiment chaté de ouf. Vraiment, j'arrive et je me dis, eh bah tiens, j'ai des grandes escalades direct, mais... Il faudrait des spring boots, du coup, pas qu'à faire, hein. Que là, il semblerait que le jeu m'écoute. Le shop là. Qu'est-ce que... Je fais scam là, un peu. Hop, on prend l'eau pour lever. Oh merde, c'est parti. Voilà ça, dodo. Saleté d'axolote de mort. Amitié. Toi. Ça évite les problèmes. Là je l'ai toyé parce que si mes Robert veulent me rejoindre, ce qui risque d'arriver, ils vont se prendre l'axolote, l'axolote va te mettre dans des bulles et ensuite ça va être les emmerdes. Donc, préférez voilà. Être préventif là-dessus. Sorry l'axolote. Oh, il méritait hein. Mérité aussi, hein. Faut dire. Oh le pauvre vieux. Il mérite. Oh. Est-ce qu'il y aurait Kali sur ce niveau-là?
Je vois déjà R, mon gars. Je crois que Kali n'est pas présente. Ouais, ouah. Vous calmez. Ouah. Plus ou moins le bruit que fait Mario quand il tombe dans le vide. Y'a la lave! Bonjour aussi. Non mais! Aïe! C'est pas con! S'il vous plaît, des dragons idiots! Prends s'il te plaît. Ça va bien, et toi comment va Yoshi? Ça va partir avec du Flash My Gun, cette histoire, non? Hey, je l'ai vu venir, j'ai commencé à partir, j'aurais dû partir de l'autre côté. Je suis Gorillhead. Ah merde. Oui, c'est demain à Baldur's Gate, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez d'être con. Oh, on a perdu tellement bêtement l'Ankh. Oh, je fais m'éclater le cul. C'est horrible. Avant qu'il arrive, voilà. Voilà, ça le fait, va. À moi, ça, mon grand. Donc ça, je touche pas. Bien.
Super. Je me casse. En fait, juste. Oup, oup. Ici, j'avais donné un clone gun, mais le clone gun, il a pas traversé. Pour des raisons obscures. En vrai, c'est pas des raisons obscures, c'est que c'est des cons. C'est pas grave, on va faire 100. On va devoir faire 100 de toute façon. Ça prendra espèce de. Je suis giga merde. Les accidents! Voilà, en termes de ressources, du coup, ça va être chance, mais c'est pas grave. Yoshiro, vous êtes soyeux, tout à fait. La commu soyeuse, c'est nous. C'est vous. Hey! De toute façon, j'ai plus l'encre, c'est la merde. Voilà, je casse ça. Je me barre ici, je pète ça, je lui fume la tête. Ah. Voilà. Merci les Robert pour les ressources perdues, merci, merci beaucoup. Incroyable, j'aurais dû le poser l'item. Chez le PNJ là qui te transporte les items. Le clone gun, j'aurais dû le poser. Comme je suis décédé, j'y ai pas pensé. Ok, Yoglatra, ça marche. La bise. D'habitude, je passe par Wadler, tout à fait. Wadler. C'est quoi qu'il s'appelle Wadler. D'habitude, je passe là-bas et tout ça, mais il se trouve que sur cette run-là, comme je suis décédé à cause des bombes et tout, des mines et du gorille, j'ai où j'ai zappé. Régis Draco, si êtes intéressé. Moi, c'est bon. Je crois que c'est Wadler, hein, je crois. Mais moi, je suis pas sûr à 100%, tu sais. Pas trop attention à son nom, à celui-là. J'aurais bien aimé avoir un Robert de disponible ici. Est-ce qu'il est là l'autre? Bah oui, il est là. Forcément là. Ouais, les Rédits Draco, il y en a une quantité incroyable. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va tout de même faire des ressources de passer là. Je crois que c'est 30 dans le sac. 30 de chaque. Il faut les mettre loin, 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 loin. Yo, Buddy. J'espère que t'as bien, Buddy. J'ai pété le jeu. Je peux constamment le faire voir. Mais Tekken 8, t'as pu y jouer, Tekken 8, pourtant. Il me semble que je t'ai vu jouer la dernière fois. Oui, c'est un box chez Wilder, ouais. Il y a déjà des gens qui ont eu des problèmes. Oh, t'as prêté des comptes. Bah voilà, tu vois, comme quoi. Il y a toujours des solutions, t'inquiète. Mais des fois, ouais, y a déjà des gens qui ont eu des problèmes parce que. En fait, si t'as des Robert et que tu les laisses à l'extérieur du challenge, du coup, ils sont à côté de Ton, il peut arriver que les Necromancers invoquent des squelettes à l'extérieur. Et du coup, quand ça arrive, les Robert s'énervent et tapent Ton, et du coup, c'est l'emmerde quand tu sors. Normalement, les trucs tricky. Mais c'est rigolo. Alors Robert, c'est sacrément con, ouais.
Non, je crois. C'est pas grave, au moins on demande pas tes trucs pour que tu testes. C'est déjà bien en vrai, Karma. C'est mieux quand tu peux tester toi, mais bon. Après, quand c'est pour des bêtas, c'est pas trop grave en général. Hein. Pour les bêtas, il faut prendre l'habitude d'aller se faire voir. Voilà. Dire, de toute façon, on va chier. Étrangement, la bêta de DBTB, c'était pas compliqué d'y jouer. C'est l'avantage de DBTB. Par contre, il y a l'accès. Comme quoi. Mais il y en a d'autres, hein, des comme toi, t'inquiète. Hein. Il y en a d'autres qui ont fait qu'un compte et qui l'ont pas eu, et d'autres qui ont fait plusieurs comptes et qui les ont eu. C'est la classique. Dis donc, mais on peut jouer ou pas? Ils ont tous à me casser les couilles. C'est où, non? Toujours. Il a empoisonné l'autre. Des poisons, donc ça va pas tarder à canner. Il prend des tics depuis je sais pas combien de temps. Salabada. On court ? On peut courir. Oh.
Pas beaucoup de ressources. Bah on va voir Shiro. Voilà. J'essaie de pas trop. C'est pas clair, hein, tu sais. Allez. On n'a plus l'ancre, malheureusement. Pas vu l'autre là-bas. Mais c'est pas grave, heureusement on a... Heureusement on a le... la cape. Oh la clé. Sortie where? Est-ce qu'on a croisé la sortie? Je crois, ouais, de l'autre côté. Putain, le tic de poison qui m'a bump juste à côté. Ok, là faut juste que je fasse attention. Il y a un chat en full chute libre là.
Va bien. Donc on en est à mettre des orbes dans les endroits où je peux pas rentrer sans bombe quoi. Yeah, tu es devant la sortie. Hop. Non, la team dans ces niveaux-là n'a aucun intérêt. Le seul intérêt c'est si tu fais une score run. Où là les constellations de fin effectivement elles changent en fonction de la team que tu as réussi à avoir sur ta run, mais sinon. Aucun intérêt, effectivement, je confirme. Oh le poison, il me fait faire des dingueries sur les mouvements, c'est horrible. Toutes les bottes. Voilà. Ah, les bons niveaux qu'on déteste. Hein. Pourquoi on me fait ça? Singe! Oh. C'est vraiment la seule chose qu'on puisse faire. Hein. Là, il faut restocker les PV de toute façon. Donc lui, il tombe bien. Moi, si j'avais pris un vase, ça fonctionnait aussi. La régène. C'est moi de clean tout poison. Il y en a. Il faut l'élixir. Ou alors, voilà. Ou alors, ben, il faut avoir un pet que tu peux faire passer d'une map à l'autre. Et là, quand t'es sur Cosmic Ocean, effectivement, ils sont en mode non maintenant. Maintenant, on va voir à quel point t'arrives à gérer tes merdes.
Merci. Oui, 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 on y est. Oui, j'ai vu. Incroyable. Jojo Shiro, Leonardus. J'allais m'écraser là. Il y avait encore un potentiel cassage de cul incroyable sur ce saut que je viens de faire. Oh, il y a plusieurs moments où ça fait être tragique en vrai. Habituel maintenant, t'as vu. Il y a un autre là. C'est mal ce truc. Il est par là, non? Pas par là. Ah merci. On s'est fait bum par le pico de Simon. Bon appétit, K. Le pico sur le côté, comme ça, c'est quelque chose. Hein. On avait un rythme qui était pas dégueu. Ah, explosion. On avait un rythme pas dégueu. Alors, on change de perso ici. Bam, le retour. Quel enfer. Moi, j'aime bien. Hein. Vraiment, je kiffe trop les runs qu'on fait sur ce Wookie. Ah oui, Kirby, c'est vrai, j'aurais pu le reprendre. On n'est pas allé loin à la dernière fois avec Kirby. Ça change rien, le perso. Hein, au cas où. Ça y est, ouais, tout à fait. Bonjour, Procra. C'est une run péter, ça, vous avez vu. C'est parti pour speedrun, il a dit. Bon, en tout cas, c'est parti pour faire le con. Ça, c'est sûr.
Il est où mon Pokémon? Mais... Une équipe! J'ai dit ma run serait déjà finie, c'est vrai. Après non, remarque, je sais pas. T'as vraiment entendu des dingues. C'est peut-être le Black Market sur cette map. Là, juste, le jeu m'a donné jetpack TP, du coup je m'amuse, hein, c'est pour ça. Mais il y a de fortes chances qu'on meure frag dans un mur. Soyez-en sûr. Ah dommage, j'ai pas de Robert pour porter l'arc et le TP. J'ai mon sort pour Kra, je crois, ouais. Robert, ouais. Aïe. Bon, tant pis. Tant pis. Bébé. Ah oui, mais là c'était compliqué là de passer là. Avec un PV, je veux dire. Avec deux PV, je serais passé. Allez, les chauves-souris là! S'il vous plaît, l'emplacement, la petite grotte. Il y a Kali là-bas? On dirait pas ce Kali. D'accord. Des bottes. Good enough, on peut dire. Là on graine pour le Kapala déjà, c'est bien. Ah j'ai typé avec un shop déjà. Oh. Est-ce que j'ai le temps d'aller sacrifier lui? Ah, j'aurais pu avoir le temps. Il est pas merdé. Du coup, j'ai le temps, mais il fait deux fois moins de points. Dommage. C'est pour Mizu, ça. Il est pas là, mais c'est pour lui.
pour le singe. On peut pas sacrifier le singe. On ne peut pas. Le gecko. J'ai cherché Bubi quand même. C'est de la merde, il a dit. Mais t'as vu ? Mais non, mais le singe, je peux pas le sacrifier parce que c'est déjà un résultat de sacrifice, on va dire. Entre... Est-ce que Robert peut le porter ? Mais merde ! Cette merde ! Ah oh merde, j'ai oublié de libérer l'autre. Bon, c'est pas grave. Bon. Il y avait le singe là. Du coup, j'y ai pas pensé. C'est risqué ce qu'on fait là. Non ! Je peux pas prendre le singe ? Je ne savais pas. Je m'attends aussi à ce qu'il loue mon arc. Hein. Oh nice. On a du bol avec Kali. Hein. Par contre, faut pas trop passer en dessous parce que...
Voilà, merci, je prends ça. J'ai pas assez de sous. Demande l'argent. Donne l'argent. Argent. J'ai plus d'argent. Prends l'arc, s'il te plaît. Voilà, je reviens, peut-être pas. Voilà, je reviens peut-être pas, ouais. Oh, le singe, je sais pas comment il va faire pour survivre, ouais. Il survit là, déjà, c'est incroyable. Oui, le trèfle, ça retarde l'arrivée du gosse. Ça me permet d'avoir 4 minutes, je crois. Yo. Alors. Du coup, ok. Il a encore envie tout à l'heure. Je sais pas comment il a fait. J'aurais plus de bombes, je crois. J'aurais plus de bombes. Je peux pas passer par là. Je ne peux pas. À moins que là, je chope des bombes. Ok. Putain, il a dit. Bah ouais, là j'avoue que j'ai dit voilà. Là, on a de la réussite. Il y a toujours, bon, en tout cas très régulièrement, des caisses en haut. Là, voilà, on a bien chaté là. Ok, donc. Rig. Je veux pas que le jeu va dans notre sens. On va pas se plaindre. Hein. Voir le singe. Non, c'est une erreur. C'est pas possible.
erreur. T'es dans la capacité de faire ton perso? Ah oui, pourquoi? À cause de... histoire de, d'allergie ou juste il y a trop de trucs qui te plaisent? Ou alors trop de trucs qui te plaisent pas, peut-être. Ah, venez les Robert. Et voilà, vous êtes niqués. Incroyable. C'est parfait. Je vais le laisser là, j'aurai le chercher à la fin. Et Kali. Voilà, j'ai sacrifié des trucs. Ah, ton truc que tu veux? Bah, tu peux faire plusieurs trucs de toute façon, non? Plusieurs slots, et hop, t'es bien. Oh, le barbare. Un barbare, oui, ça colle bien avec toi, ouais, pour le coup, là. Le match est là, hein. Oh, nice. Ok. Maintenant, il faut que j'emmène à Robéir. Plus d'un même. Lui c'est pas un sage. Lui c'est un bien. Lui c'est un Robert sage. Lui non. Allez. Malentendu, c'est une purge, il a dit. Mais putain qu'il a attendu aussi Baldur's Gate. Ah bah viens. Et voilà, mais pourquoi ils m'ont pas suivi plus tôt, ces couillons? Ok, vas-y. On va perdre des Robert là, hein. J'annonce. Ah non, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait, le singe? C'est quoi ça? Ce... truc de ouf qu'il a fait là. Il est parti d'un coup. Ah là, on a un problème. On a un gros problème. C'est qu'il y a l'éclat qui est possible. Faut choisir le singe ou l'eggplant. On va voir. Je vais me faire graillable le poisson. Vous l'avez vu?
Mais ça c'est abusé par contre. Il prend tarif là. Je fais ça, ensuite faut que je le fasse tout là. Bon le singe il va peut-être rester ici hein. Ah ça y est. Je me disais de sirop. Putain c'était long hein. C'était long cette histoire hein. Mais Robert. Ah ils sont cons quand même. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Voilà, là je prends tout. Je sais pas le tuer. J'en ai besoin. Pour d'autres trucs. Oh je vais en tuer hein, quand même, je pense. Ça c'est fait. Oh je vais. Si si je vais les tuer. Si je vais les tuer. Ils vont casser les couilles. Le clone gun il a des pop parce qu'en fait un Robert avec le bouclier l'a écrasé contre l'hôtel de Cali. Et du coup le fait de l'avoir écrasé le clone gun contre l'hôtel et ben ça l'a des pop. C'est la particularité de ce bouclier là c'est ça. C'est que ça écrase tout. Regarde là je vais avancer. Clac. La torche est dead. Du coup, j'étais en train de le chercher, lui. Oh, ça me dégoûte. Mon eggplant. Et comment ça se fait que de là, il me vise, lui. Comment ça, j'ai pas le droit. Bah si, la preuve. Non mais là, cette renage me fait troll. Bah écoute. Où je récupère le singe. Voilà, on sort avec le singe. J'ai plus rien. Ils m'ont tout pris, les Robert. Littéralement. J'ai encore l'angle, c'est vrai. Il y avait le poison, du coup je pouvais pas y aller, il y avait le poison. Bonsoir Ephénère, bonsoir. Ah non, bon, alors. Bon, bah, super, je voulais pas l'argent du tout, hein.
commence à devenir une habitude de perdre l'ancre vers là. Pas trop ça, moi. Bon, je vais récupérer un Robert, mais bon. Ah là là, la run elle est contre nous là. Elle veut nous tuer. Là ça va me balancer un marchand pour me tuer max vite et puis c'est bon. Ce coin là pas du tout hostile. Bonsoir Mac. Mais vous voyez, malgré tout ce qui se passe là, toutes les emmerdes qu'on se tape, bah je kiffe le jeu. Genre vraiment, c'est ce qui fait que je me dis le jeu est vraiment trop bien. Il m'arrive un millier d'emmerdes différents. C'est plus haut les bruits de festivité. Ok. Oh, il y a du sang là. J'aime bien la RNG dans les jeux, c'est ça qui est horrible. J'adore ça quand il y a de la RNG. C'est ce qui fait que je me marre le plus. Même malgré le fait que ça peut revenir dans ta gueule fort, tu vois. Genre vraiment, d'un coup, t'es en full streak de non-luck. Mais c'est marrant. Ça, ça me fait délirer. Beaucoup de ressources, j'aurais pu en avoir beaucoup si Robert n'avait pas éclaté le clone gun. Mais bon. Nous on radote pas. Hein. Ah ça y est. Non, ah, ah. Ah. Ah, il y a une chance de survie encore. La bulle. Oh, vous avez vu? Faut croire en l'âme des cartes.
Ah, le dad relancé, hein. Mon gun, il va me tomber dessus. Eh ben, c'est pour ça que je casse toujours le bas. Que je veux qu'il y ait des bulles qui montent et les bulles, je me dis, bon, ça a un malentendu, ça me rattrape. Donc tout était prévu. Ma backup strat, qui fonctionne une fois sur 20, hein, finalement, puisque je tombe pas tant que ça et bon, et ça arrive que je tombe à côté des bulles. Puis celle-ci, cette fois, a fonctionné. La backup strat, c'est bien. Bah j'ai que l'arc à aller prendre, puisque mes ressources finalement et clone gun, bah y'a pas un clone gun. Ça fait baiser. Cause des idiots. Pas les bottes, malheureusement, les spring boots. Donne la vie! Please! On mérite! C'est quoi le PV? C'est 3? 4. Courage Robert. Courage. J'ai l'impression qu'on est constant dans nos runs, c'est chelou. On arrive plus facilement à remonter qu'avant, alors qu'on a fait une pause du jeu relativement costaud pourtant, mais... Ok. Calibre, malheureusement, j'ai rien sacrifié. Bon, vas-y.
Bah super Robert. Merci pour le clone gun perdu. C'est pas le clone gun en plus, c'était le plasma gun celui-là. Ouais. Là ce qui serait bien c'est qu'on reste par ici. Et... ah bah ça c'est à mon avis le plasma gun, du coup non, on reste pas besoin de rester par ici. Il est dead pour de bon. Ah c'est vrai que je reload moi aussi. Bah, je sais pas, j'arrive mieux à gérer ce que je fais maintenant, du coup je trouve que c'est moins pénalisant quand j'arrive pas à faire passer un truc que je voulais faire passer. Bon, du coup bah je continue quoi, je keep going. C'est bien. Je sais que j'avais pas assez confiance en ma capacité à emmener mes runs loin. Ah bon, j'étais en mode non, c'est chiant. Pâté, ouais. Finalement, ce n'est pas trop mal. Ok. C'est pas là. À la sortie. Au revoir. Elle est là. Ah mais le coup de la tabelle par contre ça fait longtemps que je le faisais plus ouais, ça. Ça faisait longtemps. Hein. Oh mais what? Les runs où je le faisais c'était les runs un peu désespérés. Thank you.
Pâté. Crapaud là. Écoutez, hein, c'est perdu pour perdu, hein, de toute façon. Hein. Saleté va! C'est abusé ça. Abusé! Que ton courage. Fais arriver. On a réussi à cancel le chaman avec les tics de dégâts là. Un chaman dead, c'est un bon chaman. C'est un chaman qui rend heureux. A tout procras, bonne soirée. Mets tes check là. Ah voilà. Voilà. J'aime beaucoup la pause. La pause du pas en mode oh je suis mort. Ok. C'est le pire endroit, hein. Le toit comme ça c'est la meilleure manière de se prendre toutes les emmerdes du monde. Quand je dis emmerdes du monde c'est le poison qui tombe, les chats qui tombent, tout ça.
Donne le sang. Là, c'est ça. Bien sûr qu'il est là. Bien sûr. Et si ? Il a dit non. Et si ? Ça casse pas les orbes, ça. Yo le yinche. Bam. Mal à la sieste. Belle sieste, ça. Oh leur merde. Okay, il est petit mais il est super grand. Petit mais super large le niveau. Y'a la boulette, y'a l'élévator, y'a... voilà, c'est que des emmerdes. Un peu de temps en train de regarder la télé, il est 19h30. Ah quand même, ouais. Vaporis Z. Exactement, Peter. Oh. Mais on a un bon rythme, ça va, le rythme il est ok. Je pensais que la porte était plus vers le haut. J'ai pas assez bien fait mon repérage, Nick. Après, au niveau ressources, on était tendu, mais bon. On n'est pas passé une seule fois dans un niveau cave. C'est pas grave. Enfin, vas-y, je m'arrête là pour Spelunky. On a fait deux runs qui sont allés loin encore. Du coup, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va aller sur Pokémon faire nos trucs. On va savoir voir si on peut avoir du shiny. Pas clair. Shiny, c'est jamais clair. Du coup, la BOD, la mise. La bise à VOD.